Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. Cette émission d'ésotérisme expérimental est telle que nous vous l'avons promis la semaine dernière. Nous avons aujourd'hui une émission avec un seul sujet, un seul thème, l'ordre de la Rose-Croix à Morc, avec le représentant tout désigné, celui qui est le grand maître pour le chapitre francophone, monsieur Serge Toussaint, qui est de retour avec nous cette semaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, sur l'ésotérisme expérimental. Et d'autre part, pour m'aider un petit peu dans cette présentation de la démarche plus philosophique aujourd'hui, la semaine dernière, c'était plutôt le côté technique, si on veut. Mm-hmm. Alors, j'ai demandé le secours de notre ami Jean-Jacques Dubois, docteur en religiologie, avec une formation en anthropologie. Et Jean-Jacques, d'entrée de jeu, je vous pose une question avant de se lancer dans le fond du sujet. Est-ce que vous avez des préjugés? Est-ce que vous connaissez l'ordre de la Rose-Croix? Je ne le connais pas beaucoup. J'avoue mon ignorance par mm-hmm. rapport à ce qu'on dit dans le milieu universitaire, à cet objet d'étude. Cependant, en tant que religiologue, évidemment, je connais dans l'ensemble des mouvements, des tendances religieuses, les structures religieuses qui peuvent, à mon avis, ressembler beaucoup à ce qui se passe dans l'ordre de la Rose-Croix. Et je vais essayer de m'en tenir dans l'émission d'aujourd'hui aux seuls propos que j'entendrai. Et je réagirai éventuellement à ces propos-là. Donc, Merci. Je ne déborderai pas de la rencontre ou du discours qui sera tenu dans la présente rencontre. Bravo. Alors, la semaine dernière, on se souvient, Serge Toussaint, qu'on a élaboré surtout sur le côté technique, comment on devient Rose-Croix, mm-hmm. Qui peut adhérer, comment ça fonctionne. Puis on se demandait un petit peu des fois si c'était pas une secte nouvel-âgiste. Et on a compris que c'est pas du dernier cri, hein. Ça a vraiment des racines. Mais aujourd'hui, donc, on va essayer de voir si les connaissances transmises particulièrement et surtout par des monographies, donc des textes écrits, donc très intellectuels. Pas très intellectuels. Non, pourquoi pas? Non, parce que, si vous voulez, les Rosicruciens ont toujours eu comme principe que les plus grandes vérités, entre guillemets, doivent pouvoir s'enseigner d'une façon très simple. Donc, effectivement, il y a un écrit, mais, si vous voulez, on essaie de faire en sorte que cet écrit soit le plus accessible possible à l'intellect humain. À l'intellect. Mais voilà, on parle souvent de l'intelligence de la tête, mais de l'intelligence du cœur, et celle-là passe par le vécu. Et plus c'est transmis par des écrits, moins c'est nécessairement reçu par le cœur, mais plus par le cerveau. Bien sûr, mais justement, je pense que l'enseignement rosicrucien va associer un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'enseignement lui-même qui s'adresse à l'intellect, parce qu'on ne peut pas acquérir une certaine connaissance en faisant abstraction du mental. C'est impossible. Mais les choses sont expliquées de telle manière qu'elles font appel également aux émotions. D'ailleurs, il y a une très belle définition rosicrucienne de l'initiation, qui consiste à dire que l'initiation doit faire passer dans le domaine de la raison le but à atteindre et dans celui des émotions l'idéal qui nous incite à étudier les mystères. Vous voyez, il y a toujours cette dualité entre la raison et les émotions. Je pense que vous avez une démarche très structurée. Vous êtes capable d'affronter toutes les tempêtes intellectuelles et spirituelles et à notre époque de grand chaos social, religieux, politique, économique, morale, c'est ça. On pense que les gens fuient l'Église pour justement entrer dans des, excusez l'expression entre guillemets, là, sectes. Mm-hmm. Est-ce que l'ordre de la Rose-Croix, on l'a vu la semaine dernière, qui le terme Rose-Croix est utilisé à plusieurs choses dans plusieurs sociétés dites nouvel-âgistes. Oui. Est-ce que malgré tout, là, puisque vous êtes la maison mère, est-ce que, un peu comme le Vatican qui voudrait avoir s'approprier l'enseignement du Christ, mm-hmm. et tous les autres qui touchent à Jésus se disent d'inspiration christique, sont un peu des profanateurs de l'enseignement fondamental. Est-ce que vous voyez déjà des sources de scandale par rapport à tout ce qui peut être transmis à l'extérieur et qui s'éloigne de la pensée centrale? Oui, un petit peu, parce que sur un plan purement historique, si on remonte au tout début du XXe siècle, il n'y avait, selon les historiens eux-mêmes, que trois organisations ésotériques. Il y avait l'ordre de la Rose-Croix, il y avait l'ordre martiniste traditionnel qui perpétue la philosophie de Louis-Claude de Saint-Martin, qui était un philosophe du XVIIIe siècle, et puis il y avait une certaine obédience de la franc-maçonnerie. C'était les trois seules organisations qui pouvaient véritablement se réclamer d'un héritage traditionnel et authentique. Et on voit qu'en même pas un siècle, ces trois organisations majeures ont donné directement ou indirectement naissance à des centaines de mouvements et de sectes qui forcément
ont pris dans l'héritage des trois organisations de base leurs symboles, leurs leçons, leurs cours, etc. D'où tout cet amalgame. Et personnellement, évidemment, je le déplore. Ça, je pense, Jean-Jacques Dubois, vous pouvez nous relancer sur l'idée suivante, c'est qu'à partir des grandes religions fondamentales, il y a toujours eu des ramifications. On pense au christianisme qui a donné le christianisme d'Orient, d'Occident, les catholiques, les protestants, les anglicans, les orthodoxes, les luthériens, etc. Et alors, c'est pas nouveau, c'est presque un dû que tous ces mouvements qui sont quand même un cep, là, ou un tronc, qui a des ramifications de multiples branches. Et ce phénomène-là est d'autant plus évident qu'avec l'éclatement de l'institution religieuse traditionnelle, qui était l'Église catholique et même plusieurs églises protestantes, qu'avec cet éclatement-là est apparu, ou les éclats de l'éclatement, les éclats de l'explosion, sont en quelque sorte toutes les sectes religieuses qui ont parsemé, principalement, en tout cas pour nous, le territoire du Québec. Et ici, ça a éclaté d'autant plus fort que, évidemment, les sectes ont proliféré aussi. Très rapidement. Très rapidement, oui, effectivement. Et ce qui est surprenant, c'est que le Québec va passer, selon les statistiques du Vatican, dans les années 50, le Québec était considéré comme le peuple le plus religieux, où les statistiques, où les indicateurs de la religiosité étaient les plus élevés. On peut-tu donner même l'étiquette catholique? C'est un peuple... Oui, catholique et ultramontain en plus. C'est-à-dire un peuple dont le chef, le véritable chef de l'État québécois, c'est Charbonneau et c'est les évêques, c'est les cardinaux qui sont directement liés à la papauté. Ça, c'est assez clair. Évidemment, Duplessis va avoir le rôle de Duplessis dans l'orientation de la société québécoise est en quelque sorte, à mon avis, marginal comparativement à la puissance du clergé. On est dans ce que un historien de l'UQAM appelle, Louis Rousseau, l'historien de l'UQAM appelle une nation-église, finalement. Et subitement, presque subitement, avec les années 60, avec la Révolution tranquille, tout ça va éclater. Et autant le peuple québécois était un peuple religieux, autant il va devenir un peuple irreligieux. Et c'est probablement maintenant, ici au Québec, en Occident, où on rencontre les indicateurs de religiosité les plus bas. Diriez-vous? Et, par contre, un endroit où, probablement, où il prolifère le plus de sectes aussi. Diriez-vous que ceux qui s'intéressent à des mouvements comme l'Ordre de la Rose-Croix sont irreligieux? Je ne dis pas qu'ils sont irreligieux, ceux-là, mais l'irreligiosité, c'est par rapport, on pourrait dire, à des indicateurs de religiosité dans le domaine de l'Église traditionnelle. Je pense que le peuple québécois est resté fondamentalement religieux. Les sectes est une manifestation de ce qu'on appelle, d'ailleurs, en sciences religieuses, le déplacement du sacré. Alors, le déplacement du sacré s'opère de deux grandes façons, à mon avis, dans... Mettons trois grandes façons plutôt, je me révise. Il y a d'abord la dimension politique. La politique va drainer beaucoup de ferveur religieuse dans le nationalisme québécois, d'une part. D'autre part, il va y avoir évidemment toutes ces sectes qui vont constituer une recherche effrénée de sacré, de religieux, de sens de la vie. Et recherche ensuite, de la vérité. Oui, recherche de la vérité, oui, effectivement. Et ensuite, un troisième secteur qui serait un secteur peut-être plus traditionnel d'un sens, mais et qui serait intimement lié à la culture québécoise, qui serait celui des sciences humaines, de la psychothérapie, de la recherche de les ateliers, par exemple, les ateliers de croissance, etc. Alors, ça serait en gros, à mon avis, les trois grands secteurs d'éclatement de la religiosité québécoise. Et ça, je pense, le débat, est-ce que... L'Ordre de la Rose-Croix, c'est une secte? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est quoi? Alors justement, avant de vous répondre, M. Dubois a dit quelque chose de très intéressant. Il a employé à plusieurs reprises le mot « religiosité ». Oui. Et je pense que ce qui explique un petit peu la situation dans ce domaine, que ce soit d'ailleurs au Québec ou dans le monde entier, c'est que j'ai le sentiment, si vous voulez, que l'on est en train de passer de la religiosité à la spiritualité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, dans cette transition entre la religiosité et la spiritualité, il y a effectivement cet engouement pour des sectes qui se situent entre l'un et l'autre. Et ça me permet de répondre à votre question, c'est que l'ordre,
s'est toujours situé en tant que voie de spiritualité. Alors, qu'est-ce que la différence entre une religion et un ordre, comme l'ordre de la Rose-Croix? Je pense alors que l'on peut dire... Alors qu'une secte est très semblable à une religion, si je comprends bien. Oui, mais disons qu'on peut définir par rapport à l'ordre de la Rose-Croix, si vous voulez, la différence déjà, si vous le voulez, entre l'ordre de la Rose-Croix et une religion, et puis après, entre l'ordre de la Rose-Croix et une secte. Bravo. Hein? Donc, entre l'ordre de la Rose-Croix et une religion, c'est que d'une manière générale, une religion, malgré tout le respect que j'ai pour les religions qui existent, les religions sont plutôt des voies de croyance. C'est-à-dire qu'on va demander aux fidèles des religions de croire en l'exemple qui a été donné par le fondateur de la religion. Mais on ne va pas forcément donner aux fidèles les moyens, l'enseignement voulu pour atteindre eux-mêmes l'état qui a été atteint par le fondateur de la religion. Alors qu'un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix est une voie de connaissance, dans la mesure où justement il va donner à ses membres les moyens culturels par l'intermédiaire des enseignements, pour atteindre eux-mêmes un état de conscience plus élevé. Donc, religion, plutôt voie de croyance, ordre de la Rose-Croix, plutôt une voie de connaissance. Maintenant, différence... Pratique et pratique. Bien sûr, pratique. Connaissance intellectuelle et pratique. Bien sûr, parce qu'une philosophie qui n'a aucune application pratique est inutile. Hein? Bon, maintenant, par rapport à une secte, vous connaissez bien la définition d'une secte. En général, une secte est basée sur un gourou, qui s'est en général auto-proclamé, le plus souvent à vie, et qui est détenteur du savoir. Dans un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître à penser, et un grand maître, ce qui est mon cas, est nommé pour une période de 5 ans. C'est ce qu'on a parlé d'ailleurs la semaine dernière, là, on a bien voilà, c'est un petit rappel, bon. Hein, donc au passage. Est-ce qu'on pourrait dire, comme un dénominateur commun, qu'une religion, c'est une secte qui a la cote d'écoute? Peut-être. C'est une définition qui mérite d'être méditée. Hein, mais je voulais dire également par rapport à une secte, vous savez bien que le mot secte vient du latin sectare, qui veut dire se couper d'eux. Et on demande aux adeptes d'une secte de se couper du milieu familial, du milieu social, du milieu professionnel. Dans un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix, c'est exactement l'inverse. On demande déjà de préserver le plus beau joyau qui soit, la famille elle-même, et on demande, on parlait de philosophie pratique, on demande au contraire aux Rosicruciens d'appliquer le plus possible leur philosophie dans la vie familiale, dans la vie professionnelle et dans la vie sociale en général. Hein, donc c'est quelque chose de très ouvert sur le monde. Alors maintenant, on va se lancer dans la démarche philosophique enseignée par l'ordre de la Rose-Croix. Et on va répondre à la grande attente des gens, puisque la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait 12 étapes et 12 mystères, on pourrait presque dire. Degrés, oui, c'est ça. Et alors, on va y aller degré par degré, et vous allez nous transmettre quelques informations, questions que les gens qui seraient intéressés s'engageront dans la démarche rosicrucienne. Je dis bien rosicrucienne, c'est comme ça qu'on dit? Oui, tout à fait, démarche rosicrucienne, oui. C'est ça, un rose-croix est oui. Un rosicrucien. Crucien. Non, c'est-à-dire qu'un rosicrucien est un étudiant de l'enseignement rosicrucien. Et traditionnellement, je dis bien traditionnellement, on considère que Rose-Croix correspond à un état. C'est-à-dire que l'état Rose-Croix est l'état idéal qu'un rosicrucien espère atteindre un jour, dans une incarnation ou dans une autre, à force d'étudier et d'appliquer la philosophie rosicrucienne. Si vous voulez, pour prendre une comparaison avec les religions, disons que dans la terminologie rosicrucienne, l'état Rose-Croix, c'est finalement l'état christique, ou l'état mahométique, ou l'état bouddhique. Vous voyez, ce sont des termes différents qui désignent un état de conscience, en l'occurrence, l'état de perfection, en supposant qu'il puisse être atteint. C'est ça. Donc, on n'est jamais réalisé, tant qu'on est ici limité dans le temps et dans l'espace. On est en cheminement, on est tout en cheminement. Fait, tout, ça. À fait, tout à fait. Allons-y avec les degrés. Le premier degré, c'est le degré matière. C'est les sciences qu'on retrouve dans les universités, qu'on retrouve à l'école. La géométrie, j'imagine, hein? La physique, la chimie. Surtout la physique et la chimie. Ouais. C'est-à-dire que les rosicruciens partent du principe qu'on ne peut pas appréhender ou tout du moins essayer d'appréhender le monde métaphysique sans avoir une bonne connaissance du monde physique. Alors effectivement, dans le premier degré du temps, ça peut paraître surprenant dans un ordre ésotérique, mais dans le premier degré du temps, effectivement, on va étudier les lois de la matière. Qu'est-ce que la matière? Comment est-elle formée? Est-ce que vous allez au-delà de ce qui s'enseigne dans les universités? J'entends par là les théories d'Einstein et puis il y a des nouvelles théories pratiques. Bien sûr. Disons que, si vous voulez, le premier degré du temple,
est en quelque sorte une synthèse du savoir que les philosophes de la Grèce antique, entre autres Pythagore et Thalès, Démocrite, Héraclite, etc., enseignaient à propos de la matière et ce que les scientifiques les plus modernes ont confirmé. Alors, je peux vous donner un exemple concret, mais je ne vais pas vous en donner trop parce que je ne veux pas dévoiler le contenu d'enseignement rosicrucien. C'est intriguant parce qu'on se dit comment les Grecs autrefois pouvaient savoir les choses que la science moderne peut déjà découvrir par les astres. Je peux vous donner des exemples, je pense que vous le savez. Démocrite est considéré par les physiciens actuels comme le père de l'atomisme. Intuitivement, il avait compris que la matière était formée d'éléments subatomiques que lui appelait éons. C'est connu de tous les historiens, de tous les physiciens. Et pour lui, les éons étaient des unités de matière, d'espace et de temps. Conscientes. Oui. Oui. Et vous voyez, c'était quand même un philosophe grec qui a vécu au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Et aujourd'hui, on confirme par les découvertes expérimentales le bien fondé de ces théories. Ça veut dire que dans l'absolu, en fait, je pense vraiment que dans beaucoup de domaines, on ne découvre pas, on redécouvre. Et on apporte la preuve expérimentale de ce que les savants du passé avaient découvert d'une façon intuitive. Et si je vous demandais, celui qui suit donc le premier degré, est-ce qu'en sortant du premier degré, il pourrait être qualifié de physicien? Non, non, non. Là, ce ne serait pas juste. Mais je pense qu'il aurait une compréhension de la matière parfois supérieure à celle de certains physiciens, dans le sens où certains physiciens vont se perdre dans les détails. Et à mon avis, ce qui est important de retenir, ce sont les lois générales. Je vais vous donner un exemple. Les Rosicruciens, depuis des siècles, et je peux le prouver en apportant des écrits datés, affirment par exemple qu'il existe en tout 144 atomes dans la nature. Quand on en parlait il y a 30 ou 40 ans à des scientifiques, ça les faisait sourire. À l'époque de Lavoisier, au XVIIIe siècle, qui était chimiste français, il avait découvert 30 atomes. Est-ce que vous savez à combien on est arrivé aujourd'hui? 121. Vous avez bien dit, atomes qu'on retrouve dans la nature, parce qu'on peut en fabriquer artificiellement, mais selon... Bien sûr. Donc vous voyez, c'est un exemple qui prouve qu'il y a une connaissance intuitive qui nous a été transmise à travers les âges, parce qu'on prenait quand même un grand risque, il y a un siècle, à dire, vous savez, dans la nature, vous verrez, on approchera vers l'état idéal de 144 atomes. On prenait un risque, puisqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait que 30 de découverts. Oui. Aujourd'hui, on est à 121. Il y en a eu deux qui ont été découverts encore récemment. Un autre exemple, dans le troisième degré du temple, on étudie les lois de la vie. Les Rosicruciens... On va les faire un par un, les degrés. D'accord. D'accord. Alors, Jean-Jacques, avez-vous un commentaire? Parce que je sais que vous avez aussi fait beaucoup de recherches sur le côté de la science de pointe. Mm-hmm. Êtes-vous pas un peu, pas troublé, mais ébahi de voir qu'un ordre aussi ancien rejoint la science moderne de pointe? En fait, j'aimerais peut-être revenir, quitte à revenir sur ce point-là, j'aimerais revenir sur la définition que Serge... On ne pourra pas reculer à chaque fois dans l'émission, on revient, on avance, on recule, on continue. Là. Je suis obligé de vous forcer sur une discipline dans l'émission, on n'a que 60 minutes. Mmh. Alors, on est rendu à se demander, est-ce que la science de pointe et les connaissances transparentes, je peux dire ésotérique. Hein? Oui, bon. Ésotérique dans le sens où ce n'est pas ouvertement révélé. Bon. En fait, tout ce que je peux dire à ce sujet-là, moi, c'est que, bon, je pense qu'on peut découvrir plein de choses dans le domaine de la science. On peut établir toutes sortes de relations entre des intuitions mystiques ou religieuses et ce qu'on découvre actuellement dans la science. Mm-hmm. Mais... Cette approche, moi, m'apparaît par rapport aux problèmes qui sont vécus par les êtres humains, les difficultés qu'on a de vivre, les problèmes planétaires ou les problèmes même vécus ici en Occident, dans nos pays si riches. Ces problèmes-là m'apparaissent, moi, en tout cas, en tant qu'homme à la fois de science et homme qui s'intéresse à des questions qu'on peut qualifier de religieuses, ces problèmes m'apparaissent étrangers à ce que je considère être une démarche profondément religieuse. Le Christ, par exemple, dit ceci, le Christ n'apparaît pas comme un être, ne se présente pas comme un être de lumière, comme un être possédant toute une connaissance ésotérique. D'ailleurs, sa doctrine... Ou scientifique. Sa doctrine se limite à ceci, aimer ton prochain comme toi-même. Et le Christ lui-même dit, je ne suis pas un être de lumière, mais il dit plutôt, je suis ce pauvre que vous
devrez aider. Je suis ce prisonnier que vous devrez visiter. Je suis ce malade que vous devrez soigner. Et évidemment, ce discours sur la science peut m'apparaître intéressant, palpitant, mais moi, ça ne m'apparaît pas de l'ordre de l'essentiel ou d'une véritable démarche spirituelle. Qu'est-ce que vous pensez? C'est le reproche que je fais. Non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais là, je crois qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. Vous m'avez demandé de vous donner un aperçu de ce qui est étudié dans le premier degré du temps. Par contre, par rapport à ce que vous avez dit sur Jésus, je suis à la fois d'accord et pas, parce que je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Jésus, effectivement, a eu cette démarche, mais je peux vous dire que Jésus possédait une énorme connaissance ésotérique, dont une partie, d'ailleurs, est perpétuée par les Rose-Croix d'aujourd'hui. Donc je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, là, on parle du contenu plutôt philosophique des degrés. Mais après, on pourra parler de la démarche philosophique des Rosicruciens, c'est-à-dire de la façon dont eux-mêmes vont appliquer leur propre philosophie dans la vie. Et vous verrez que les Rosicruciens, à mon avis, associent effectivement l'étude d'une connaissance, disons théorique, vous avez raison, à une philosophie pratique qui doit être mise au service du genre humain. Il y a un aspect humanitaire très important dans la démarche rosicrucienne, et là je vous rejoins tout à fait. Alors, mais là, nous ne parlions que du premier degré. Oui, et d'ailleurs, j'ai l'impression que le premier degré, c'est presque comme pour décourager les gens qui n'auraient pas les capacités peut-être intellectuelles. C'est un peu comme un test scientifique. Un petit peu, peut-être pas forcément intellectuel, mais a priori, ça peut surprendre que dans un ordre spiritualiste, ouais, on étudie dans le premier degré du temple la matière. Les choses terre à terre. Voilà, les choses terre à terre. Donc, effectivement, ça constitue une forme d'initiation. C'est vrai, une forme un petit peu de sélection pour aboutir après au deuxième degré, puis au troisième, puis parlons-en, au quatrième. Parlons-en du deuxième degré. Alors, indépendamment de ce que je viens de dire à monsieur, hein, dans le deuxième degré du temps, c'est plutôt les lois de la conscience. C'est ça. Qu'est-ce donc, que la conscience humaine? Là, on monte. Là, on commence à on commence un petit peu à monter, mais disons raisonnablement. On explique simplement que la conscience humaine, déjà, il faut la dissocier du cerveau. Car, contrairement à ce qu'affirment la plupart des scientifiques, le cerveau est le siège de la conscience objective. Mais il existe en nous une forme de conscience transcendantale qui dépasse largement le fonctionnement du cerveau. La meilleure preuve, c'est que vous savez comme moi qu'une personne peut être, privée de l'usage de son cerveau, et ce n'est pas ça qui va empêcher qu'elle va continuer à vivre. Or, si elle continue à vivre, c'est parce qu'il y a en elle une forme d'intelligence qui ne dépend pas du cerveau, qui la maintient en vie. Donc on va étudier les différentes phases de la conscience humaine, phase objective, subjective, le subconscient, la conscience cosmique en l'homme. Et puis on va étudier les différentes facultés qui sont liées à ces différentes phases. Et on va voir comment on peut les développer pour justement en avoir une utilité pratique et concrète dans la vie. Parce qu'il y a des facultés, si je prends les facultés purement objectives, bon, il y a la mémoire, le raisonnement, l'imagination. Eh bien on peut développer son pouvoir d'imagination, on peut développer son potentiel de raisonnement et on peut développer son potentiel de mémoire. Est-ce qu'on enseigne ça de manière pratique avec des exercices? Bien sûr, bien sûr. Il y a des méthodes. Par exemple, je pense à la mémoire. Il y a des méthodes qui étaient connues et même enseignées par Pythagore pour développer la capacité de mémoire. Alors lui, il en avait deux. Hein, je vous fais des petites révélations comme ça. La première méthode, elle est toute simple. Elle consistait le soir, tout simplement, à se remémorer tout ce que l'on a fait dans la journée. Bon, ça, c'est une méthode que tout le monde peut mettre en pratique. La deuxième méthode, beaucoup moins connue, consistait à se concentrer à la base du cou sur le troisième ganglion cervical. Parce que des recherches scientifiques ont prouvé depuis, mais Pythagore l'enseignait il y a quand même pas mal de siècles, hein, que ce ganglion est lié à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, qui est situé au centre du cerveau, a un lien directement avec les processus de mémoire. Vous voyez? Donc, il y a un aspect mystique et un aspect scientifique. Hein. Donc, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Est-ce qu'on peut dire que la personne qui ne réussit pas ou qui ne parvient pas à réussir ses exercices est expulsé de l'ordre de la Rose-Croix, ou alors il végète, là, il tourne en rond parce qu'il n'est pas capable? Bien sûr que non. Si vous voulez, dans l'ordre de la Rose-Croix, il n'y a pas d'examen en tant que tel. Il y a ce que l'on appelle des examens personnels à la fin de chaque degré. Il va y avoir, par exemple, une vingtaine de questions de poser donc à l'étudiant, et c'est en son âme et conscience qu'il doit voir si oui ou non il a suffisamment étudié. Mais je vous rassure, quand un membre n'est pas capable de répondre aux questions
qui lui sont posées à titre personnel. Il n'envoie pas l'examen, hein, personne ne le note, c'est pour lui-même. Mmh. Quand il se rend compte qu'il n'est pas capable d'y répondre, ce n'est pas parce que l'enseignement était trop difficile, c'est parce qu'il l'a mal étudié. Mmh. Donc il doit en tirer les conclusions. Ou bien il arrête, ou bien il révise un petit peu. Mais je vous assure, hein, il n'y a pas de barrage intellectuel à ce niveau-là, vraiment non. Je ne demanderai pas, je ne lancerai pas la balle à Jean-Jacques à toutes les... parce qu'il y a 12 étapes, hein, mm-hmm. si on veut passer à travers les 12. Là, mais si à un moment ou l'autre, là, Jean-Jacques, vous vous sentez interpellé par les propos, là... Je lèverai la main. Comme à l'école. Alors, le troisième degré, c'est... Troisième degré, c'est plutôt les lois de la vie. Qu'est-ce que la vie? Mm-hmm. Alors, comment la vie se manifeste-t-elle dans les différents règnes de la nature? Par exemple, bon, la plupart des scientifiques considèrent que le règne minéral est un règne inerte. Nous avons toujours enseigné que c'est faux. Le règne minéral est un règne vivant. Puisqu'il y a des atomes et que des atomes sont construits. Exactement. Il y a la vie atomique. Et on peut même dire qu'il n'y aurait pas la vie végétale s'il n'y avait pas de vie dans le minéral. Car ce qui est vivant ne peut pas procéder de ce qui ne l'est pas. Donc on va étudier les lois de la vie, comment elles se manifestent dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme et éventuellement dans d'autres mondes. Parce que pour ma part, il est évident que la planète Terre n'est pas la seule planète habitée de l'univers. Rien que dans notre galaxie, je crois qu'il y a 1 milliard de systèmes solaires. Ça me paraîtrait un peu présomptueux de considérer que seule la Terre est habitée. Voulez-vous dire que vous croyez que des extraterrestres, ça existe ? Je crois qu'effectivement, il y a dans notre univers d'autres humanités, certaines étant plus évoluées que la nôtre, d'autres l'étant moins. Ça, c'est une conviction personnelle. Oui, c'est ça. Et là, bien, il y avait presque un piège dans ma question, parce que vous me dites, les religions, c'est de l'ordre de la croyance, mais nous, les Rose-Croix, c'est pas de l'ordre de la croyance. Alors, il ne faut pas répondre, je crois, oui. Il faut répondre que ça va de soi parce que, logiquement, etc. Oui, mais quand je dis je crois, c'est parce que là, on n'en a aucune preuve scientifique. Vous savez, l'enseignement rosicrucien est très pragmatique. Tout ce qui est spéculatif en général, donc on essaye d'écarter. Je dis bien on essaye parce qu'il y a toujours dans toute philosophie, qu'on le veuille ou non, une dimension donc spéculative. Hein. Mais là, je dis je crois parce que je ne peux pas vous en apporter la preuve. Il n'y a pas dans les enseignements rosicruciens des documents qui amènent les étudiants, les adeptes à réaliser qu'il y a eu des interventions extraterrestres dans l'histoire de l'humanité. Donc vous savez de quoi je parle. Oui, il y a certains documents qui effectivement laissent supposer, mais là c'est une supposition, hein, que l'humanité a été en quelque sorte initiée à ce que l'on appelle la tradition primordiale par une humanité venue d'ailleurs. Voilà. Bon, je me souviens, dans un écrit rosicrucien qui est très ancien, on dit en gros donc que l'humanité aurait reçu son impulsion culturelle par des êtres venus de par-delà le grand océan cosmique. Alors, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est allégorique? On ne sait pas. Mais c'est vrai que tout être humain, qu'il soit religieux ou pas, qu'il ait l'esprit scientifique ou pas, se pose quand même à un moment donné la question de savoir, mais déjà d'où vient l'humanité? Et d'où est venu le savoir primordial, ce que l'on appelle en termes de tradition la tradition primordiale. C'est quand même un grand mystère. Alors, là encore, à titre personnel, je ne serais pas choqué que, effectivement, à un moment donné, dans le temps, eh bien, des êtres venus d'ailleurs, ça ne me semble pas du tout farfelu, hein, soient venus, effectivement, apporter un certain savoir à notre humanité naissante, et que c'est à partir de ce savoir donc, que se serait élaboré à travers le temps toute cette évolution culturelle et spirituelle. Imaginez qu'un jour, on envoie nous-mêmes des représentants de notre humanité dans un autre monde. Il se produirait pratiquement la même chose. Et même sur Terre, quand des êtres d'un pays vont vers un autre apporter une certaine culture. Bon, mais je vous dis, là, on rentre un petit peu dans le cadre spéculatif. Ça ne fait pas partie intégrante, ce que je vous dis là, des enseignements rosicruciens. C'est parce que vous me posez la question. Il y a une petite chose, moi, qui m'embête dans le fait qu'on puisse prétendre qu'il y ait des êtres supérieurs sur une autre planète que sur la Terre. Ce qui m'embête, c'est que si je pense que les êtres humains que j'ai devant moi ne sont pas ce qu'il y a de plus beau, de plus aimable, de plus vivant, et même potentiellement de plus conscient, j'ai l'impression que je serais constamment insatisfait dans ma relation avec les humains autour de moi. Mm-hmm. Et cette idée qu'il y ait des êtres supérieurs à ces êtres
que je côtoie tous les jours, et même à moi-même, qui me rencontre chaque matin dans la, devant mon miroir, j'ai l'impression que ceci, ça n'est possible que dans une forme de mépris de soi. Nous nous méprisons parce que nous ne sommes pas autant que ce que d'autres pourraient être. Et ça, ça m'apparaît tout à fait incompatible avec le christianisme. Quand le Christ dit, pourtant les chrétiens pensent que le Christ, c'est l'être le plus avancé, le plus conscient, le plus vivant. Quand le Christ dit, ce prisonnier qui est là, ce pauvre qui est là, ce faible d'esprit qui est là devant vous, c'est moi. C'est moi, celui-là. Alors, comment, donc, concilier une telle perspective? D'ailleurs, je voudrais reprendre aussi... Donc, vous voulez aller au plus bas dénominateur commun, disant, on est tous très peu, et on est mieux de se contenter de cette perception que de penser qu'il y a des êtres qui sont plus réalisés que nous, et à ce moment-là, ça nous jette de l'ombre sur notre réalité humaine. Disons que là, comme vous parlez, c'est un petit peu un nivellement par le bas. Ouais, c'est presque une négation de l'évolution. Parce que Jésus, je ne suis pas spécialiste dans la pensée chrétienne telle que vous la concevez. Il est vrai que Jésus a dit cela, mais Jésus a dit également, ce que moi j'ai fait, vous pourrez le faire. C'est-à-dire qu'il était capable, et plus encore, il était capable effectivement de se mettre au niveau des inférieurs, mais de la même manière, d'une façon allégorique, il donnait... Mm-hmm. aux inférieurs, entre guillemets, le désir de s'élever vers quelque chose de supérieur. Et je suis absolument convaincu du fait que la loi d'évolution opère dans tous les niveaux. Et je crois que l'idéal de l'être humain, c'est d'évoluer vers des plans de conscience supérieurs. Mais je crois que la pauvreté, etc., n'est pas forcément liée, n'est même pas liée du tout, d'ailleurs, au niveau de conscience. Disons que Jésus, c'est un message, comme vous le dites, d'amour. Donc effectivement, il s'est mis à la portée des plus humbles. Mais il n'a pas pour autant nier le principe même de l'évolution, car il est venu apporter un message d'élévation spirituelle. Alors maintenant, quand on parle d'autres êtres humains dans d'autres galaxies, là où je vous rejoins tout à fait, c'est dans ce monde que nous vivons, et c'est dans ce monde que nous devons d'abord essayer de nous réaliser. On verra après pour le reste. Mais je rejoins un petit peu monsieur, je pense que votre conception, là, c'est plutôt un nivellement par le bas. C'est à mon tour d'être un petit peu étonné. Mais, je dirais plutôt, moi, que c'est une croissance par le bas. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que le Christ invite les pauvres, les démunis, ceux qui ne sont pas l'élite, ceux qui ne sont pas grands maîtres, je dirais aussi, il les invite à croître, il les invite à l'exaucement. Oui. Et il dit même que ce sont eux qui sont appelés à être ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les véritables mutants, oui. C'est-à-dire les véritables élus. Ils représentent en quelque sorte la mort, et la mort de l'humanité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus misérable, on pourrait dire de plus souffrant, de plus en train de mourir sur la croix, pour la résurrection. Oui. Et la résurrection de l'humanité ne se fera qu'à ce compte-là. Mais là, il faut aller vers... Moi, j'essaie d'avoir une conception beaucoup plus universelle que vous. Vous, je pense que c'est une conception chrétienne. Et encore une fois, je pense que Jésus a été l'exemple même de ce que l'évolution doit produire dans la conscience humaine. Et vous parlez de grands maîtres et d'un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix, mais il y a justement dans l'ordre de la Rose-Croix des personnes de toutes conditions sociales. Ce n'est pas une élite au sens où vous l'entendez. Oui, j'interviens dans le débat parce que justement, j'ai l'impression qu'on dérape sur le christianisme versus l'ordre de la Rose-Croix et ce n'était pas mon intention. Mm-hmm. C'est plutôt la conscience sociale générale que vous représentez et l'ordre de la Rose-Croix. Mais si on fait ici pas une opposition, mais une comparaison constante entre le christianisme et Jésus et le Christ, oui, je crois qu'effectivement, c'est pas... Oui. Oui. J'aimerais mieux qu'on revienne au fameux degré. On est rendu maintenant au quatrième degré, Serge Toussaint. Le quatrième degré, c'est l'étude d'un manuscrit très ancien de l'ordre, qui est l'œuvre d'un philosophe du IXe siècle qui a vécu à l'époque de Charlemagne et qui constitue une synthèse des trois premiers degrés, sous forme de loi. Voilà, ça c'est pour le quatrième degré. Alors, comme la table d'Amourabi, il y aurait des lois précises. Un petit peu, c'est-à-dire que c'est vraiment l'étude d'un manuscrit qui reprend les lois majeures qui ont été évoquées dans le premier, le deuxième et le troisième degré du temple. C'est un degré de révision et de synthèse. Parfait. Donc, c'est facile à comprendre. Le cinquième degré? Ah, le cinquième degré, c'est une étude des philosophes de la Grèce antique les plus marquants. Socrate, Platon, Pythagore,
Thalès, Héraclite, Démocrite, etc., puisque évidemment ces philosophes grecs ont énormément marqué l'évolution culturelle et spirituelle de l'humanité. D'ailleurs, je voudrais préciser pour dire que vous remarquez, quand on prend la vie des philosophes grecs, on s'aperçoit que c'était à la fois de grands mystiques et de grands scientifiques. Oui, oui. Hein? Donc à cette époque-là, il n'y avait pas justement cette espèce de division entre la philosophie et la science, car les plus grands philosophes étaient de grands scientifiques et les plus grands scientifiques étaient de très grands philosophes. Je crois que le meilleur exemple, c'est Pythagore. C'est ça. Le sixième degré. Sixième degré, c'est un petit peu spécial. On parlait de christianisme. Le sixième degré est consacré à l'étude de la thérapeutique rosicrucienne, c'est-à-dire de la manière dont les rosicruciens, si vous voulez, emploient certaines techniques de guérison. Et on peut dire à juste titre que la thérapeutique rosicrucienne, c'est l'héritage de la thérapeutique essénienne. Hein, vous savez peut-être que les Esséniens donc, vivaient... Il y a eu deux communautés majeures d'Esséniens. L'une qui se situait donc sur les bords du lac Moéris en Égypte, vers 1500 avant l'ère chrétienne, et deux autres qu'on a retrouvées plus tard en Israël, donc disons au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et la spécialité des Esséniens, en dehors de leur enseignement mystique, c'était effectivement donc la guérison. Et donc on perpétue cette méthode de guérison, mais on est très prudent. On ne prétend en aucun cas que les rosicruciens sont des guérisseurs et qu'ils peuvent guérir toutes les maladies du monde. Ce serait totalement faux, ce serait malhonnête, non. Mais il existe des méthodes naturelles basées sur le magnétisme de l'homme que l'on peut appliquer un petit peu comme une forme d'acupuncture à certains endroits précis du corps pour produire la guérison de certaines maladies. Alors évidemment, c'est tout un degré de mise en pratique. Mais là, vous allez être traité de guérisseur de... Non, justement, c'est pour ça que je prends des précautions en disant que ça fait partie de l'héritage rosicrucien du passé, mais ça ne s'oppose et ça ne remplace en aucun cas les méthodes de thérapeutique classique. On ne dit pas aux rosicruciens, si vous êtes malade, faites les traitements rosicruciens, n'allez pas vous faire soigner ailleurs. Ce serait ridicule. Donc ce n'est absolument pas, si vous voulez, un moyen de substitution à la médecine et à la chirurgie. Il faut être sérieux. Dans certains cas, on ne peut pas faire autrement, fort heureusement, que d'avoir recours à la médecine et à la chirurgie. Mais il y a beaucoup d'états pathologiques, plus ou moins graves, que l'on peut quand même soulager au moyen des énergies naturelles du corps. Et étant donné que c'est vrai, je ne vais pas dire que ça ne l'est pas. Ça ressemble un peu au Reiki ou Non, parce que je ne connais pas bien le Reiki. Ça, c'est un petit peu une mode. Oui. Hein, pour ma part, je pense que ce n'est pas très sérieux. Je suis obligé de le dire. En général, j'ai une nature à dire ce que je pense. Non, le Reiki, bon, d'après ce que j'ai compris, on se met en harmonie, mais on ne sait pas trop comment, avec les forces planétaires, universelles, etc. Non, la thérapeutique rosicrucienne, si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, elle est basée, si vous voulez, sur le fait que l'homme possède deux systèmes nerveux. Système nerveux cérébro-spinal, qui est dirigé par le cerveau et qui est responsable de toutes les fonctions volontaires de notre être. Et puis, il y a le système nerveux autonome. Que ça, c'est un peu classique, là, on retrouve ça dans les enseignements, dans les universités. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir quand même, et là, je pense que vous ne pourrez pas me contredire, qu'il y a encore 30 ans, on ne parlait pratiquement jamais du système nerveux autonome. On considérait qu'il était tout à fait secondaire et que pour guérir les maladies, il fallait agir sur le système nerveux cérébro-spinal. Et ça induit toute une forme de médecine, à mon avis, peu efficace, parce que l'on a voulu neutraliser l'effet des maladies, c'est-à-dire la sensation de souffrance, et non pas la cause. Mais la cause, est-ce qu'elle est que physique, des fois peut être psychique, spirituelle? Et disons que la plupart des maladies ont une cause non pas physique, mais psychique. Mais attention, quand on parle de psychique, chez les rosicruciens, on ne veut pas dire forcément psychologique. Donc, qu'est-ce que le psychisme? Nous partons du principe que l'homme est un être triple, en fait. Il possède un corps physique, il possède un corps psychique, et il possède un corps spirituel. D'ailleurs, les Égyptiens de l'Antiquité avaient représenté ces trois corps par le fait que, généralement, ils mettaient les momies des pharaons dans trois sarcophages emboîtés les uns dans les autres. Donc nous partons du principe que la plupart des maladies sont dues à un trouble d'ordre psychique, c'est-à-dire à un déséquilibre énergétique au niveau du corps psychique. Et au moyen justement des traitements rosicruciens, basés sur le magnétisme humain, on va pouvoir, au moyen d'une certaine technique que je ne peux pas expliquer parce que nous n'en avons pas le temps, et puis ça fait partie du domaine ésotérique de l'ordre, rétablir ce déséquilibre et donc soigner la cause de la maladie.
Donc, rendu à ce degré, soit le sixième degré, un bon rosicrucien ne devrait jamais être malade. Un bon rosicrucien, malheureusement, n'échappe pas nécessairement aux maladies. Mais disons qu'il a, je pense, d'une part, une hygiène de vie qui devrait lui permettre de prévenir quand même un grand nombre de maladies. Et d'autre part, en termes curatifs, il a donc à sa disposition une méthode qui permet, sinon de guérir, du moins de soulager la plupart des troubles mineurs. Hein. Là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être très prudent. Hein. On ne prétend pas faire des membres des guérisseurs. D'ailleurs, la semaine dernière, on a bien vu qu'il n'est pas nécessaire d'être végétarien ou d'être ci ou d'être ça pour être rosicrucien. Bien sûr que non. D'ailleurs, le maître Jésus, puisque monsieur parle beaucoup du maître Jésus, a dit que ce qui était le plus important, ce n'est pas ce qui rentrait par la bouche, mais ce qui en sortait. Ce qui vous sauve, ce n'est pas ce qui entre. Voilà, bien sûr. Le septième degré, si on... parce qu'il nous reste peu de temps. Alors le septième degré, eh bien écoutez, je vais aller un petit peu plus vite. Le septième degré est basé justement sur l'étude du corps psychique dont on vient de parler. Vous voyez, sixième degré, c'est plutôt le corps physique. Septième degré, c'est plutôt le corps psychique. Qu'est-ce que le corps psychique? Qu'est-ce que la conscience psychique? Qu'est-ce que les centres psychiques que d'autres traditions appellent à tort chakras? Donc on étudie tout ça. Combien sont-ils? Quelle est leur fonction psychique? Comment les développer? On étudie également le phénomène de l'aura et on étudie également l'application physique, psychique et spirituelle des sons vocaux que d'autres traditions appellent mantras. Ça, c'est pour le septième degré du temple. Est-ce qu'on peut parler de magnétisme aussi et tout ça ? Non, le magnétisme fait plutôt partie intégrante de la thérapeutique rosicrucienne telle qu'on en a parlé dans le sixième degré. Ah oui. Là, évidemment, Jean-Jacques, avec sa formation de très haute compétence sur le domaine chamanique, on va laisser un peu Jésus de côté, là, mais... c'est que cet ordre, donc, rejoint des valeurs fondamentales dans l'être humain. Ce n'est pas toujours décroché, là. Ça tombe là, dans le vécu, dans l'être, dans ses tripes et dans son énergie. Oui, en fait, c'est possible. Mais je pourrais dire que par rapport, pour revenir à la piste chamanique, par rapport au chamanisme, il y aurait une grande distinction à faire entre une approche comme celle-là et une approche chamanique, dont se rapproche d'ailleurs le Christ. Et c'est pour ça, c'est justement sur ce thème-là que je voulais m'en venir tout à l'heure, parce que le chamanisme est probablement la religion la plus universelle qui a existé sur la Terre et qui existe encore dans bien des endroits. Le chaman est fondamentalement une personne qui s'intéresse à des problèmes. Oui, attendez, c'est pas ça qu'on veut entendre de vous aujourd'hui, parce que vous nous avez fait une exposé d'une heure sur le chamanisme à l'époque de la Semaine Sainte. Mais par rapport à l'enseignement rosicrucien qu'on entend actuellement, est-ce que vous vous sentez en harmonie avec cette approche qui dit c'est bien beau des enseignements théoriques et intellectuels, mais moi je suis étonné, je dois vous dire, de voir que vous allez jusqu'à toucher des choses dont on entend parler dans beaucoup de nouveaux mouvements nouvel-âgistes, hein, tu sais, des guérisseurs, des techniques de santé, de médecine douce et tout ça. Vous étiez d'avant-garde. Hein? Si vous permettez, justement, c'est que la différence avec ces nouveaux mouvements, c'est que nous, ça fait des siècles qu'on enseigne ce genre de choses. Et des fois, je constate avec regret que, effectivement, certains mouvements, certaines sectes, s'accaparent une connaissance qu'en plus, ils ou elles ne maîtrisent pas et vont bercer beaucoup de personnes d'illusions. C'est ça qui est grave. Parce que, vous savez, une connaissance sur, justement, la thérapeutique rosicrucienne, l'usage des mantras... des centres psychiques, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise c'est pas. Ça. Oui. En fait, toutes ces connaissances-là, il peut y avoir la plupart des choses peuvent être fondées. On peut s'approcher de la réalité, c'est-à-dire on ne la touche jamais vraiment, on s'en approche toujours de la réalité. Pourquoi pas? Moi, je pense que les rosicruciens ne délirent pas et qu'ils ont un discours... Ils ont raison d'aller toucher à ces aspects-là. Ils ont raison. C'est-à-dire, pas nécessairement raison, mais ce qu'ils touchent est quelque chose de réel. Ils touchent des choses qui sont là et ils nous montrent des choses qui sont là. Mais là où moi, j'ai quelques réticences, c'est quant à l'importance de ces choses-là par rapport à une démarche spirituelle. Celui qui s'engage dans une démarche spirituelle, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit chamanique, peu importe, celui qui s'engage dans un développement spirituel, à mon avis, peut faire l'économie de tout ce travail-là et aller beaucoup plus rapidement et ne pas, comme dit Saint Jean de la Croix, ne pas s'encombrer
d'images, de symboles, de connaissances pour aller le plus rapidement possible à Dieu. Mais j'ai une question à poser à Serge Toussaint qui est ici. Je le répète, le grand maître de l'ordre de la Rose-Croix à Morc, chapitre francophone. Mais le huitième degré, c'est la spiritualité. Et oui. Je vais rejoindre Jean-Jacques, pourquoi forcer vos adeptes à passer par les sept premières étapes si celui qui a besoin de nourriture spirituelle, on ne lui donne pas immédiatement huitième degré spiritualité? C'est ça qui t'intéresse? Viens, on va t'en donner. Parce que justement, notre ordre n'est pas une religion, mais une voie initiatique. Or, une voie initiatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a toute une préparation qui doit se faire, toute une transmutation pour qu'à un moment donné, l'étudiant soit beaucoup plus réceptif à ce qu'on va lui apprendre. Par contre, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, vous parlez beaucoup de Jésus, mais que je sache, Jésus a été un très très grand maître spirituel. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades, sixième degré du temple. Jésus était un grand maître spirituel. Or, qu'a-t-il fait? Il utilisait les sons vocaux pour guérir les malades, septième degré du temple. Jésus était un grand maître spirituel et il a enseigné justement tout ce qui concerne l'évolution de l'âme, huitième degré du temple. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas dire il y a le matériel d'un côté, le spirituel de l'autre. Je crois que l'homme est corps et âme et tout participe de la spiritualité. Et je crois que l'erreur que commettent nombre de religions, justement, c'est de vouloir absolument dire voilà, ce qui est matériel, c'est négatif, ce n'est pas spirituel, seul est spirituel l'âme. Pour moi, c'est une erreur, je dirais même plus que fondamentale, monumentale. Il reste 4 degrés, Serge Toussaint, le 9e degré. Alors justement, le 8e degré, on en a parlé rapidement, mais concerne justement la conception rosicrucienne de Dieu. On n'a pas le temps d'en parler, mais... Ça va être finalement le jargon des religions, mais expliqué de manière plus ésotérique, peut-être. Décroché justement de dogmes... Tout à fait. Voilà, alors, on va parler justement de ce qu'est Dieu d'un point de vue rosicrucien, de ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que nous, on ne considère pas évidemment que Dieu est un être surhumain. C'est plutôt une intelligence universelle. Par définition, nous considérons que Dieu est l'intelligence universelle qui a conçu, manifesté, et animer toute la création selon des lois immuables et parfaites. C'est une intelligence divine. Alors on va étudier ce qu'est Dieu en tant qu'intelligence divine, ce que sont les lois divines, on va apprendre quelles sont d'ordre cosmique, quelles sont d'ordre universel, quelles sont d'ordre naturel, l'âme humaine, qu'est-ce que l'âme humaine, comment évolue-t-elle, faut-il ou non adhérer à la doctrine de la réincarnation, qu'est-ce que le libre arbitre, le bien et le mal, qu'est-ce que la mort, quelles sont les étapes de la mort? Y a-t-il une après-vie? Est-il possible éventuellement de contacter le monde de l'invisible? Donc vous voyez, c'est un degré très, très, très spiritualiste. Alors le 9e degré du temple, c'est le degré où l'on étudie le symbolisme universel en général. Ce qui est commun d'ailleurs à toutes les grandes traditions. Et l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire l'étude de facultés qui dépassent les seules facultés mentales et psychiques. Je n'aime pas beaucoup parler de ça parce que, en fait, dans un ordre comme le nôtre, On ne met jamais ça en avant. On laisse ça au nouvel âge. Oui, vous remarquerez que le nouvel âge fait sa publicité en laissant supposer que ces écoles, nouvel âge, donc, sont capables de donner des pouvoirs à leurs adhérents. Nous, on ne le fait pas. Et pourtant, personnellement, je fais une certaine allergie au pouvoir psy. Et pourtant, les facultés, des facultés extraordinaires au vrai sens du terme, ont toujours été enseignées dans les écoles de mystère, peuvent être développées au moyen de certaines pratiques, mais nous, on ne les met pas en évidence, vous voyez, parce que ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. C'est un moyen. Et vous donnez encore des techniques pour développer ces facultés. Certaines facultés, oui. Mais j'insiste bien, ce n'est pas un but en soi. Quelqu'un qui deviendrait rosicrucien pour acquérir des pouvoirs paranormaux, il vaut mieux pour lui et pour l'ordre qu'il ne devienne jamais rosicrucien. Ce qui est étonnant, c'est que vous donnez ces enseignements par des monographies, c'est-à-dire des documents écrits. Oui. C'est pas la nuit, psychiquement, là, que vous rejoignez les gens. Non. Mais c'est que ces fameux documents écrits peuvent tomber dans les mains de n'importe qui. Hein. Quelqu'un qui reçoit ça par le courrier, finalement. Oui. Ben, disons que, si vous voulez, en règle générale, effectivement, quelqu'un qui veut devenir membre reçoit les enseignements écrits. Et puis, à ce niveau-là, c'est basé sur la confiance. Vous savez, notre ordre est une grande école de liberté. Et on part du principe que les choses se font toujours bien, entre guillemets, que le hasard n'existe pas vraiment. J'ai peut-être l'impression que le temps que l'adepte monte les échelons, ça vous permet, vous, de jauger le personnage. Et si dans les premières étapes, il se sert de l'enseignement qu'il reçoit pour lui dans son cheminement personnel, il en fait l'étalage,
il ne réussira peut-être pas à monter plus haut. Hein. Non, puis je vous assure, c'est difficile à expliquer, mais l'enseignement rosicrucien véhicule bien plus qu'une connaissance intellectuelle ou émotionnelle. Il y a vraiment tout un travail spirituel qui se fait. Et quand on n'est pas en harmonie avec la qualité positive de cet enseignement, en fait, on s'est aperçu, le membre arrête de lui-même. Ah, voilà. C'est une espèce de sélection naturelle qui se fait. 10, 11 et 12, il reste 5 minutes. Eh bien, très rapidement, le dixième degré est basé justement sur l'étude de l'ésotérisme des grandes religions. Entre autres, donc, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam, c'est-à-dire qu'on va familiariser l'étudiant rosicrucien avec l'ésotérisme. Je dis bien l'ésotérisme de ces quatre grandes religions. Pourquoi ? Tout simplement pour cultiver la tolérance religieuse. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les guerres de religion ont fait plus de morts que toutes les autres guerres réunies. Eh oui. Donc notre but, si vous voulez, c'est de montrer qu'en définitive, il y a une même montagne, mais il y a des sentiers différents pour accéder au sommet. Et on peut être chrétien, juif, musulman, et vivre en toute fraternité sans être obligé de s'entretuer au nom du même Dieu. Est-ce qu'on pourrait utiliser le terme isotérisme comme isobar pour la même pression, ou isotherme pour le dire. Parce qu'on parle d'exotérisme, d'ésotérisme, mais isotérisme, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances traditionnelles qu'on rejoint dans quel que soit le chemin, vous montez sur la montagne. Bien sûr. Il y a un sentier à suivre, etc. Bien sûr, bien sûr. Le 11e degré. Eh bien, le 11e degré, après avoir étudié les grandes religions, l'ésotérisme des grandes religions dans le 10e, dans le 11e, on va plutôt étudier les grandes traditions. La tradition atlante, la tradition des Égyptiens, notamment la 18e dynastie, qui a énormément marqué donc l'enseignement rosicrucien. On va étudier quel pharaon, la 18e ? C'est Thoutmôsis III, Akhenaton. Ah oui. Hein? Donc ce sont des pharaons qui ont vraiment beaucoup marqué les écoles de mystère. Ah oui, Akhenaton est considéré comme le promoteur du monothéisme, tout du moins dans l'histoire connue. Oui, c'est hein? ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les rosicruciens se réclament depuis des siècles, traditionnellement, hein? donc de ce personnage hors du commun, qui était considéré par les historiens, il y a encore 15 ans, comme un hérétique, comme un fou. Donc nous avions le courage de nous réclamer d'un fou, d'un hérétique, parce que maintenant, tous les historiens disent que c'était au contraire quelqu'un d'avant-garde. C'était un génie en matière de religion, puisqu'il a, à une époque où il y avait le polythéisme partout en Égypte, il a eu le courage de braver le clergé d'Amon pour dire non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc on va étudier la tradition des mystères d'Éleusis, donc grec, on va étudier évidemment la tradition templière, on va étudier quoi encore, la tradition des alchimistes. Vous voyez les grandes traditions, c'est pas ça. Les grandes religions. Et le 12e degré du temple, eh bien, c'est un degré de synthèse qui est essentiellement constitué par des manuscrits rédigés par les grands maîtres de l'ordre, par l'impérateur de l'ordre ou par les membres qui ont atteint les plus hauts degrés. Donc il y a des textes qui sont très récents, j'imagine. Bien sûr, et c'est ce qui fait que ce 12e degré est toujours d'actualité. Ben oui. Est-ce qu'il y a un 13e degré ? Non. Mais le 12e degré n'a pas de fin, puisque justement, il est constitué d'écrits, il se perpétue par le temps. C'est l'héritage, à chaque fois, si vous voulez, à un moment donné, le 12e degré est l'héritage des rosicruciens du présent aux rosicruciens du futur. Bien, moi, j'insiste sur un point avant qu'on se quitte aujourd'hui, c'est que Serge Toussaint, qui est avec nous, représentait bien évidemment, et de bon droit, et avec la compétence qu'il a, l'ordre de la Rose-Croix à Morc, mais il n'était pas ici pour faire de la promotion, de la publicité ou... Du prosélytisme, certainement pas. Attirer les gens dans son mouvement, non. Hein? Non. Jean-Jacques, ben, je vais vous quand même donner encore la parole, même si des fois vous avez été un peu le mouton noir dans la rencontre d'aujourd'hui, parce que, évidemment, moi, je m'attendais plutôt que vous étiez pour l'écouter, pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez d'une manière avec un certain recul, mais vous avez tendu à faire la défense d'une doctrine qui a eu cours longtemps ici au Québec, c'est l'enseignement chrétien, catholique, et vive Jésus. Mais est-ce que Jésus, qui guérissait les malades, a enseigné comment guérir les malades? Quand le pape est malade, il s'en va dans un hôpital. Hein? Il n'y a pas un prêtre qui a les talents que Jésus avait. Et pourtant, il leur a dit, allez soigner les malades, chasser les démons. Mais on est dans une planète où c'est le diable qui conduit le bal. Si Jésus avait transmis les méthodes d'exorcisme, j'ai comme l'impression qu'on n'aurait plus de problème avec le démon. Puis à ce niveau-là, on en a parlé la semaine dernière, le démon n'existe pas, mais on a compris de quelle façon vous en parliez. Alors, j'ai l'impression qu'on en a fait ce qu'on a voulu de Jésus. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, effectivement. Quand moi je parle de Jésus, je me réfère toujours à un Jésus, en quelque sorte, qui
transparaît dans les textes qui nous ont été révélés. Oui, mais ce n'est pas limitatif, mais, ça. Oui, effectivement, c'est limitatif. Est-ce qu'un ordre comme ça, ça ne nous ouvre pas un peu l'esprit? Bon, pour comprendre, ben, en fait, peut-être que ça nous ouvre l'esprit. Mais est-ce que c'est l'esprit qu'il faut s'ouvrir ou est-ce que ce n'est pas les problèmes auxquels l'humanité est confrontée qu'il faut essayer de régler en priorité? Ça fait 2000 ans qu'on a des problèmes et qu'ils s'accentuent. Donc, ils n'ont jamais apporté la solution, ces religions. Ah, mais moi, je ne veux pas prendre la défense de la chrétienté ou du christianisme. Si j'ai référé à Jésus, c'était tout simplement pour ceci. C'est que le Christ est, à mon avis, ce qui nous permet de comprendre ce qu'il y a probablement de plus universel dans les religions, c'est-à-dire ce qui fonde les religions, c'est-à-dire plutôt que ce qu'il y a de plus universel, ce qui fonde les religions, c'est-à-dire le chamanisme. Oui. Et dans ce sens-là, on peut dire que traditionnellement, les religions, plutôt que de construire un idéal à atteindre, se sont plutôt intéressés aux problèmes que vivent les hommes et aux problèmes que vivent les sociétés aussi. C'est-à-dire que, donc, le chaman est celui qui s'intéresse aux problèmes, mais qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas d'idéal, qui n'a pas de définition de l'homme. Le Christ en a une certaine, effectivement, parce que ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Mais la primauté est accordée, à mon avis, autant dans le christianisme que dans le chamanisme, la primauté est accordée aux problèmes qui sont vécus. Tandis que l'ordre des Rose-Croix, on sent qu'il y a tout un monde transcendant, un monde de connaissances, un monde d'idéal, et il faut cheminer vers ce monde-là. Tandis que dans le chamanisme, on s'intéresse aux problèmes. C'est deux mouvements inverses. Okay. Par contre, il peut y avoir des synthèses. Je ne comprends pas votre démarche à ce niveau-là, parce que vous dites qu'il ne faut pas s'ouvrir l'esprit, mais plutôt régler les problèmes. Moi, je dirais qu'au contraire, pour régler les problèmes, il faut s'ouvrir l'esprit et s'ouvrir le cœur. Je ne vois pas en quoi les deux choses sont incompatibles. Ça, on est obligé de se quitter déjà là-dessus. Mais moi, je pense que j'ai une intuition, puis il faut que je vous la transmette absolument. Le Christ a été ce qu'il a été. Mais on n'en a connu du Christ que 3 ans. Il a eu 30 ans de préparation. Qui ne vous dit pas, qui ne nous dit pas qu'il était dans l'ordre qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre de la Rose-Croix. Il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a fait un cheminement qui l'a préparé à être ce qu'il était. Je crois que c'est une très bonne intuition. Merci beaucoup, Serge Toussaint. Merci, Jean-Jacques. On étudie justement la vie de Jésus qui a précédé son ministère public. Ah ouais. Et là, il y a de grandes surprises. Oh là. Et donc, on étudie parce que... Mais ça, les religieux-là, ils vont vous mettre ça à la poubelle parce qu'ils vont dire, écoute, c'est pas anonyme, pas prouvé. N'importe qui aujourd'hui peut dire n'importe quoi. Si vous voulez rejoindre l'ordre de la Rose-Croix, ici à Montréal, c'est dans 514, à 596-1686. Et pour M. Jean-Jacques Dubois, dans le 514, à 387-7992. Bonne semaine.